Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo du dimanche. Encore une fois, je vous rappelle, petit sujet. Alors j'ai essayé de mixer un peu pour le dimanche parce que bah vous avez vu les reviews, j'essaie de proposer le produit high-tech deux fois par semaine. On va peut-être réduire un peu là, je suis un peu chargé, vous verrez à la fin. Le dimanche comme ça, un petit sujet putaclic bien évidemment, mes films et séries de la semaine, parce qu'il y a vraiment des trucs pas mal, et bien évidemment le petit giveaway, encore une fois, vous oubliez pas de vous abonner, je vous mettrai un timer dans la description pour ceux qui voudraient squeezer directement au menu qui les intéresse. Bon, petit aparté avant de commencer, je vous rappelle, ma nouvelle vidéo WTS est en ligne. Alors, je vous rappelle, on va changer un peu de concept. J'ai fait pas mal de vidéos, là, dernièrement et tout. Là, maintenant, vous n'aurez plus que des vidéos sur la Chine, sur Taïwan. Normalement, il y aura le Japon, peut-être il y aura la Corée. On verra comment on fait, mais voilà. Mais plus... le pays du sourire. Voilà. J'ai tout expliqué tout ça sur Tipeee. Voilà, je vous rappelle, on essaiera de communiquer un peu avec ceux que ça intéresse. Uniquement sur Tipeee. Vous pouvez devenir tipeur, vous m'offrez un café. Pendant un mois, vous avez accès à toutes mes news. Plus, depuis ce mois-ci, une vidéo exclusive. C'est une vidéo que je devais faire pour un concept WTS, que du coup je ne ferai pas sur WTS, que je vais garder entre nous. Voilà. Et je mettrai ça sur Tipeee. Ça veut dire que si vous êtes prêt à m'offrir un café tous les mois, soit 1 euro par mois, vous aurez au moins mes vidéos 24 heures avant tout le monde. Des petites news personnelles qui expliquent un peu des fois le pourquoi du comment, et une vidéo exclusive minimum, puisque pour l'instant, il y en a d'autres, il y en a beaucoup qui étaient prévus, d'autres qui vont se faire quand même, mais dont une partie un peu off se fera uniquement sur Tipeee. Ça vous permet d'avoir quelque chose en plus par rapport aux autres. Voilà, ça vous intéresse, vous pouvez déjà aller sur WTS. Alors, la dernière vidéo, c'était le burger au Burger King. Aujourd'hui, c'est tu vas halluciner au Pop Mart. Je pense que tu vas vraiment halluciner quand tu vas voir tous les trucs qu'il y a, et il y en aura une autre sur les briques la semaine prochaine. Alors j'ai pas la mettre mercredi parce que là je peux pas, j'ai trop de boulot, mais je la mettrai seulement dimanche prochain avec les briques chinoises, ce qu'on appellera le Lego chinois, ce qu'on peut avoir, à quel prix et tout. Voilà, j'ai plein de vidéos comme ça sur des magasins, des shops, du market, de la bouffe et tout. Il y a une grosse série comme ça, et puis voilà, ça permettra de changer un peu la chaîne, des titres plus putaclic, des vignettes plus putaclic, et des sujets qui à mon avis vous intéresseront plus que les temples et tout, et ça évitera d'énerver les autres. Voilà, vous comprendrez si vous êtes sur Tipeee. Allez, premier sujet de la semaine, Insta 360 est un peu dans la sauce. Alors, bon, si j'étais un rageux, je dirais ils l'ont quand même bien cherché, mais on va voir. Alors, je vous rappelle, quand on est reviewer, qu'on fait des reviews pour les marques, généralement les marques nous envoient les produits, on fait une review comme on veut, c'est rare que les marques disent non, mais faut pas que vous disiez ça, nanana. Généralement, les marques vous laissent à ces trucs, simplement, vous les c'est pas une vidéo à charge. Voilà. Si vous dites ce que vous aimez bien et ce que vous aimez pas, encore une fois, généralement, ils savent que leur produit est pas parfait et ce qui ne va pas. De plus en plus, les fabricants vous envoient ce qu'ils appellent un brief ou voilà, une explication de tous les points forts de leur produit en vous demandant de les citer dans la vidéo. Ce qui n'est pas dérangeant, parce que généralement, par exemple, on prendra la nouvelle brosse à dents iPhone, on ne peut pas tout savoir sur la fiche produit, donc ils vous disent « oui, mais celle-là, elle est vraiment bien pour ça », et que tu le dis dans la vidéo, ça paraît correct. Ça n'empêche pas qu'à la fin, tu peux dire « voilà, ça, j'ai pas bien aimé », ou « voilà, ça, c'est un peu compliqué », voilà, tu peux quand même présenter le produit sans obligatoirement être directif. Mais là, Insta, ils avaient fait comme ça, et en fait, le problème, c'est que, bah, généralement, eux, quand ils vous envoient le storyboard, enfin, les produits, la fiche produit, ils vous disent « voilà, il faut parler de tout ça ». Et voilà tous les points à aborder. Et il y a deux pages, trois pages. Voilà. Il faut parler de tout. Voilà. Tous les points, il faut en parler et il faut les montrer. Alors là, ça commençait déjà à virer en disant, ouais, on n'est plus vraiment sur de la review. On est à la limite sur de la... Alors, tous les youtubeurs sont payés. Hein. Faut pas... Encore une fois, on peut être rémunéré par son travail ou rémunéré pour dire du bien de la vidéo et on verra qu'il y a une nuance. Encore une fois, je sais que moi, je regarde beaucoup de chaînes YouTube. Quand vous avez beaucoup de youtubeurs qui parlent du même produit au même moment, on parlera de Geekom ou les brosses à dents, les choses comme ça. Par exemple, la brosse à dents iPhone que moi j'ai en vidéo, voilà, la marque me paye pour mon travail, ça paraît un peu évident. Et quand on voit d'autres youtubeurs qui disent « Hey, regardez, je vous ai trouvé ça » ou « Oh, j'ai acheté ça », au même moment où il y a une campagne où la marque est prête à vous payer, voilà, je vous laisse faire votre déduction. Bon, revenons à Insta. Alors, Insta vous envoie une liste comme ça, qui était quand même assez exhaustive, en disant, voilà, il faut faire tous ces points, il faut que tous ces points soient dans la review. Bon, oui et non, généralement, le produit, on le connaît pas, on sait pas tout ce qu'il peut faire, tous les bienfaits, qu'on montre un peu tous les bienfaits du produit dans une vidéo. Jusque-là, ça allait.
Mais là où ça a commencé à râler un peu, c'est quand bah, souvent la marque demandait des reshoots en disant non, là ça va pas, il faut refaire. Là, non, c'est vraiment. C'est un peu comme j'ai fait Rachel de légende. Là, c'était vraiment rémunéré. Mais voilà, non, mais là, ça nous plaît pas, faut refaire. Donc bon, c'était assez relou et ça, les youtubeurs avaient commencé un petit peu à râler. Et il y a eu le cas, par exemple, si on prend mon cas personnel, là, par exemple, avec l'Insta360 Ace Pro, que j'avais reçu, moi, la marque m'a dit, ouais, ça serait bien que vous présentiez la vidéo et que vous la compariez avec une GoPro. Jusque-là, pas trop de soucis. Donc là, il m'envoie une liste en disant il faut comparer l'Insta et la GoPro sur ces points. Ces points qui sont généralement en plus. Bah quand j'ai regardé, je dis bah oui, en même temps, ouais, c'est ça, le vent, le truc, l'extérieur, la stabilisation, oui, non. Donc je fais moi la vidéo où je compare tous les points. Et bien évidemment, il y avait quand même des points où la GoPro était meilleure. Peu. Parce que l'Insta était vraiment bien, même pour moi, tu vois. Je dis, ah, l'Insta est vraiment bien. Mais il y a des points sur lesquels la GoPro, on voyait que c'était un peu mieux. Bien évidemment, ça reste encore des caméras qui sont différentes pour des actions différentes. Et là, donc j'envoie la vidéo à la marque, fini, nanana. En plus, bon, nous, on était vraiment short, hein. Au début, il m'a envoyé la Ace, alors que c'est nouvellement envoyé la Ace Pro. Alors, je me suis rendu compte un peu tard, parce que je ne m'envoie pas la caméra et pas ce truc, c'est la Ace. Il m'a envoyé la Ace Pro, donc il m'a envoyé la Ace Pro. On était vraiment short, et pour le lancement, elle me dit non. Alors, j'envoie la vidéo, elle me dit non, il faudrait reshoot toutes les parties qui sont favorables à la GoPro, en gros. Donc là, non, je dis bah non, déjà, j'avais pas vraiment beaucoup de temps. Et ensuite, c'est une review. Il y a des points où leur caméra va être meilleure, mais il y a des points où la GoPro peut être meilleure. Ah, il faudrait reshoot. Donc là, j'ai dit non. J'ai essayé d'y aller au bluff en disant non, je mets pas et ils vont la passer comme ça. Et en fait, ils l'ont, la vidéo est passée. Voilà. Donc on n'a pas eu le lancement. Donc après, bon, contact, ils me disent ouais, c'est quand même dommage. Vous avez quand même fait toute la vidéo. En plus, je l'avais fait en Thaïlande et tout. Voilà, la vidéo était sympa. Il n'y a quand même pas beaucoup de choses à modifier. Je dis ouais, mais il y a modifier et refaire, tu vois. Alors elle me dit bon, et en fait, à la fin, on a trouvé un deal d'enlever toutes les parties où la GoPro était meilleure. C'est-à-dire qu'on n'a pas refait, on n'a pas retriché, mais on les a enlevées. Voilà, pour que voilà. Donc là, du coup, voilà, j'avais fait la vidéo, j'avais bossé, du coup, m'a pas payé. En plus, il voulait que je renvoie la caméra, alors que j'aimais beaucoup la caméra. Je me suis dit, bon, ça vaut le coup de faire un sacrifice. On enlève les parties, c'est-à-dire qu'on cut les parties où la GoPro est meilleure, on re-shoot pas et on met la vidéo comme ça. Donc ça avait fait un peu, voilà. Donc là-dessus, en fait, la marque de plus en plus vraiment était vraiment incisive là-dessus où voilà, ils vous envoient, ils sont arrivés à un moment où ils confondaient un peu la review et la publicité. Ça veut dire que review, on vous donne, faites le produit, voilà ce que vous voulez qu'on montre, et puis bah voilà, il y en a, ils vont être dire c'est bien, pas bien, machin, et la review sera homogène et propre aux youtubeurs, et la publicité où non mais là ça nous plaît pas, il faut re-shoot. Donc là on n'est plus sur de la review, on est sur de la publicité. Et le dernier buzz qu'il y a eu aux États-Unis, et je pense qu'il a seulement dû l'avoir en France, hein, vous avez remarqué la X4, je l'ai pas eu. Hein. Bah évidemment. Je me dis, comme la dernière vidéo, j'ai bien fait mon connard en même temps, j'ai fait mon rebelle. Je me dis, attends, l'autre, ouais, j'ai pas énormément d'abonnés, il y a des mecs qui ont beaucoup plus d'abonnés. J'ai envie de dire qu'ils sont plus dociles, je sais pas, hein, après, voilà. Bon, encore une fois, après, je suis pas blanc comme neige, encore une fois, je suis aussi rémunéré, je me fais payer pour mes vidéos, mais voilà, après, encore une fois, il faut essayer de garder une ligne directive. Et alors, il y a eu avec les gros youtubeurs américains, pour revenir un peu au dossier, où... La marque leur a dit, bon, bah, pour la X4, ils ont dû envoyer un storyboard de psychopathe, nanana, à faire. Il y en a beaucoup qu'on fait avec leur style, hein, qu'on fait en moto, chacun fait avec mon style, mais il fallait qu'ils montrent tous les points. Là, c'était bien. Après, qu'il y ait des besoins de reshoot, pas reshoot. Là, encore une fois, vous me direz ça un petit peu en commentaire. Et le dernier point, c'était, la marque leur a dit, oui, bon, ce qu'il faudrait, c'est que vous mettiez pas que c'est une coopération commerciale. Parce qu'après, bah, les mecs se sont dit, attends, il faut faire comme vous voulez, enlever les plans que vous voulez pas, c'est une coopération commerciale, c'est plutôt une review. On est sur le commerce. Donc on met coopération commerciale. Là, on est payé pour faire une vidéo comme la marque l'a demandé, en gros. Hein, voilà. Et Insta leur dit, non, mais ce serait bien que vous l'enleviez, nanana, en étant un peu, apparemment, avec certains, un peu incisifs et pas menaçants, parce qu'ils sont pas en position, mais genre, bah, si vous faites pas, voilà quoi. D'autres le font. C'est genre. Mais voilà, il y a cette vidéo, c'est un américain qui explique plutôt bien où bah, la marque était comme ça. Et bah, les américains, mine de rien, ça doit être les plus prudes du marché, bah, les gros youtubeurs, ils sont montés au créneau et ils les ont défoncés. Ils les ont défoncés en disant non,
Ben non, non, là, à partir du moment où on fait une vidéo qui est sur le cahier des charges et on fait les reshoots pour qu'elle s'adapte à vos trucs, c'est, mon nom appellerait ça plutôt une publicité, hein, donc une coopération commerciale, donc on met coopération commerciale. Et eux, c'était pas, non, on met pas, nanana. Donc, ils sont montés au créneau, pas mal ont dépublié les vidéos qu'ils avaient faites, parce que la marque demandait de décocher, parce qu'ils avaient mis la vidéo en ligne, du coup, c'est ça, quand on voit le draft, ça y est pas. Mais après, quand tu mets la vidéo en ligne, tu coches la case, et donc du coup, le message apparaît. Mais donc, du coup, si tu décoches la case, le message peut disparaître. Donc, une fois que les vidéos étaient en ligne, la marque a dit, non, mais ça serait bien enlever. Enlever, adieu, sinon ça va mal se passer. C'est vrai qu'ils se la pètent un peu, hein, chez Insta, c'est vrai qu'ils sont dans une grosse croissance, la marque marque super bien et tout, et ils sont en mesure de se permettre de dire, si vous voulez pas, tant pis, d'autres voudront, quoi. Voilà, c'est comme ça. Donc, ils voient les vidéos en ligne, donc ils ont été un peu incisifs et certainement un peu maladroits là-dessus. Et les youtubeurs américains sont montés au créneau, il y en a pas mal qui ont déplié les vidéos et qui ont fait des vidéos en disant, non, c'est pas normal, qu'est-ce que vous en pensez? Ou il y en a qui ont déplié les vidéos, donc les gens se disent, pourquoi vous avez déplié? Et les mecs, ils expliquent que, bah, qu'au bout d'un moment, il faut savoir, en tant que youtubeur, oui, on a besoin de manger, de gagner de l'argent, d'accepter des reviews. Des fois, il y a des reviews, par exemple, on a plus ou moins d'affinité. Moi, le clavier Akko, tu vois, je me suis dit, ouais, bon, après, voilà, ça peut être intéressant. C'est pas mon domaine de prédilection, tu vois, je préfère les téléphones. Ou les caméras, ou... Il y a pas mal de trucs, toi, que je me dis, ah, c'est bien. Là, la brosse à dents électrique, au début, je me suis dit, non, mais en vrai, quand je la reçois, je me dis, oh, elle est quand même vraiment pas mal. Les robots aspirateurs et tout. Donc, on prend, on fait, mais il faut qu'on puisse garder un peu notre marge de manœuvre. Donc, voilà, un peu, c'était la polémique. Vous en pensez quoi? Est-ce que, d'après vous, Insta sont allés trop loin? D'après moi, oui. Je pense que, comme ça, ça permettra de, comme on dit dans les films, les séries télé, ça permettra de faire jurisprudence. Ça veut dire que des marques qui vous disent, quand tu fais une review, ils disent « Non, mais là, en fait, il faudrait reshoot parce que ça met pas autant le produit qu'ils voudraient en avant. » Alors, il y a des fois où tu dis « Bon, j'ai peut-être mal fait, hein, c'est possible. » Ou « J'aurais pu mieux optimiser. » Mais je veux dire, c'est comme toujours pareil. T'es pas le mec qui conduit une voiture sur circuit, il va optimiser à fond, il va faire un temps incroyable, nanana. Tu prends le même mec que moi qui prend la bagnole, il va faire sur le circuit, rien ne va être bon, tu vois. Et j'aurais pas du tout les mêmes performances avec le même produit, parce que j'aurais pas aussi bien utilisé. Voilà. Donc c'était un peu le sujet de la semaine. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je pense qu'ils sont allés trop loin et quelque part, ça servira pour d'autres marques, ou quand les marques vont dire, ah, attendez, Insta, ils se sont fait cramer aussi là-dessus. Ça va, c'est de la review. Si vous voulez une publicité, vous demandez, on fait une pub. Voilà, mise en avant, ce que fait, par exemple, des fois, si vous suivez un peu Stéphane Couchou, qui fait les vidéos pour DJI et tout, lui, il fait des vidéos promotionnelles. C'est-à-dire que la marque lui demande, voilà, trouver un concept, on veut ça, il leur propose une idée, voilà, c'est une vidéo promo, une publicité, nanana. Mais dans ce cas, il dit pas, c'est pas une review, il donne son avis et il dit ce qu'il en pense. Allez, on parlera des films et séries de la semaine. Il y a eu quand même pas mal de perles depuis la semaine dernière. J'ai fini Mon Petit Reine. Alors, j'ai fini la semaine dernière, mais comme il n'y a pas de vidéo. Mon Petit Reine sur Netflix, la vignette est à chier. Le titre est nul, donc j'avais pas du tout envie de le regarder, tu vois. Et puis je me suis dit, ouais, ça faisait un peu, pour ceux qui ont vu Misery, le film. Le mec, qui part, il a un accident dans un chalet et tout. C'était un très bon... ça enregistre, c'est bon. Je me suis dit, ça va être un peu la même chose, tu vois, le séquestre, apparemment dans un verre et tout. Puis il y en a tellement qu'on dit du bien, je me suis dit, il faut que je regarde, et c'était quand même une claque. C'est une série qui est une mini-série qui est en trois actes, hein, vraiment encore une fois, bah, avec la meuf. Après, du coup, il raconte lui son histoire et il y a une conclusion. La série, elle est incroyablement bien. Pas trop, mais vachement bien. En plus, c'est basé par rapport à une histoire vraie et tout. C'est bien jusqu'à la fin, c'est prenant et ça finit où... Oh, putain, c'est beau et tout. Enfin, vraiment, voilà, vraiment une série coup de cœur où je me suis dit, bof, bof. Et en fait, j'ai failli passer à côté. Je vous la conseille vraiment de tenter le coup, au moins pour les 2-3 premiers épisodes, en sachant que, je vous dis, ça se passe en 3 actes. Le premier acte, le 12e acte, c'est pas du tout pareil, et c'est une bonne surprise, et le 3e acte, vous n'êtes pas prêt. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, on parlera également Un Homme à Vrai, pareil, c'est sur Netflix. Alors, normalement, j'avais un abonnement Netflix que je partageais avec ma famille et tout, mais maintenant, avec l'international, les abonnements et tout, ça fait 2 fois qu'ils me disent, non, pas. Donc là, ça m'a gonflé, j'ai arrêté, après, je me dis, bon, je vais quand même m'abonner. Ça sera fait, je prends un petit abonnement. Donc du coup, je regarde maintenant. Maintenant, je paye, je regarde. Crevard un jour, crevard toujours. Donc je regarde, et je me dis, ah non, mais en vrai, ouais, ça avait pas l'air terrible non plus. Puis je regarde, il y a pas mal de critiques et tout, c'est quand même bien et tout, toi. Donc je me suis dit, bon, j'ai quand même regardé, et c'était pas mal. C'était pas la série de l'année, mais c'était bien, il y avait des rebondissements. Lui, il est très charismatique dans sa manière de gérer les sociétés et tout. La série est pas très très longue, et pourtant, bah, c'était quand même plutôt bien.
également disponible sur Disney. Je sais pas, mais vous trouverez. Hein. Il y a une série qui est pas mal, qui s'appelle Dark Matter. Alors, sans spoiler, c'est l'histoire d'un scientifique qui découvre que il peut y avoir plusieurs mondes parallèles, donc ça commence comme ça. Les deux premiers épisodes sont déjà disponibles, il y a le troisième cette semaine. Pas mal, hein, premier, waouh, rebondissement au deuxième, fin du deuxième, et apparemment, comme a dit Merej, il faut plutôt regarder la bande-annonce, si vous avez Apple, même sans abonnement, pour regarder la bande-annonce. Et si vous voyez la bande-annonce, vous comprenez déjà le synopsis de la série, et que la fin du deuxième, c'est peut-être pas la fin de la fin, quoi, tu vois. Voilà. Donc, pas mal. c'est une bonne série, j'aime bien, un peu fantastique, voilà. Et en parlant de série fantastique, j'étais, par exemple, je regardais mon flux Google sur le Samsung, tu vois, je regardais les news, et il dit, oh là là, Outer Range, saison 2, série trop bien, fantastique. Là, le Symnosis, un cow-boy qui lutte avec sa famille pour sauver son exploitation et tout. Il me s'est dit, Brokeback Mountain, pas trop ma cam. Et en fait, c'est une série fantastique. Voilà. Et mais voilà, dans son champ, il va trouver un truc mystérieux et tout. Ah, franchement, j'ai regardé le premier épisode. Ah, pas mal. Franchement, premier épisode a tellement bien qu'à la fin du premier, je me suis dit, je ne peux pas aller me coucher. Il faut absolument que j'aille le deuxième épisode. Il faut que je sache. Que je save. Je suis. J'ai regardé. Donc j'ai regardé et peut-être deuxième épisode pas mal. À savoir qu'il y a une saison 2 qui vient de sortir et tout. C'est disponible sur Amazon si vous avez un compte et tout. Avec la pub au début et tout. Maintenant, laisse tomber. Et au début, t'as de la pub. Je paye pour ça. En fait, au début, il y a de la pub. Bon. C'est la vie, c'est 2024. Une série que je vous conseille pas mal. Écoute, j'en suis. Alors, s'il y a une saison 2, c'est que ça a dû bien marcher, hein, et que pour l'instant, il y a un petit côté fantastique sur lequel je m'attends pas. Au début, je me dis, oh, est-ce que c'est les aliens? Oh, vous allez voir, je vous spoil pas, mais ouais, vous êtes peut-être en train, comme moi, de passer à côté d'un truc. Comme je paye Netflix, un crevard. Du coup, je me suis dit, j'ai regardé ce qu'il y a dans les séries télé, et il y avait Designated Survivor, que j'avais déjà regardé pendant un moment, quand on pouvait le télévisionner, voilà. Et je me suis dit, je vais quand même regarder, parce qu'il y a Kiefer Sutherland et tout, voilà, puis ça fait quand même un moment, puis je me suis dit, bon, il y a quand même 3 saisons, hein. Donc je me suis dit, c'est bien, ça se mange un peu de temps en temps, quand il n'y a rien à regarder et tout. Bon, Kiefer Sutherland, voilà, quoi, 24 chrono, truc, c'est toute ma jeunesse. Bon, après, faut bien avouer que lui, j'aime bien. Sa femme, j'aime bien aussi. Hein, une blonde et tout. Oh, elle est belle et tout. Blablabla, trop bien. Donc, à chaque fois que je la regarde et je me dis, je suis content de regarder la série. Et il y a aussi la meuf du FBI. Alors, soit la belle blonde, soit l'asiatique. Ma première femme, ma deuxième femme. Non, mais c'est mon type de femme. Voilà. Donc, oh, ben, l'asiatique, elle est canon. Hein, elle est bien. Hein, on sent qu'elle est de la bouteille. En même temps, moi aussi. Le goulot, surtout. Et j'ai regardé et je me dis, ouais, c'est pas mal. Après, bon, ça va vite. Les intrigues vont vite. Il y a plein de trucs de rebondissement, mais c'est vite torché. C'est-à-dire que ça va pas, ils traînent pas le truc sur la saison entière. Enfin, bon, t'as l'intrigue générale, t'as le fil rouge, mais ça va relativement vite. C'est un truc, oh, le truc là, lui, il a volé les fichiers. Ah ouais, c'est torché dans l'épisode, tu vois. T'as le début, la fin, on passe à autre chose. Donc, ça va relativement vite. C'est pas mal. C'est bien, ça se mange bien. Il y a 3 saisons, puis avec Netflix, vous savez, vous mettez, vous reprenez quand vous voulez. J'aime plutôt bien. On change un petit peu vite avec les films qui sont disponibles cette semaine. Il y a Dune, le 2 sur l'internet. Alors, je vais regarder le 1 d'abord. Je vais re-regarder le 1. J'avais déjà vu, mais il fait quand même un bon moment. C'est disponible sur Netflix, le 1. Alors, je sais pas, vous, il faudra seulement un VPN, mais voilà. Il y a Godzilla versus X-Kong, le nouvel empire et tout. Voilà, donc, ils s'associent pour combattre le grand méchant et tout. Bon, jusqu'à la moitié, c'est pas mal. Kong, c'est super bien fait. L'histoire, truc, c'est assez intéressant, tu vois, il y a des moments rigolos et tout. Puis après, à partir de la moitié, c'est les Pokémon, quoi. Les ailes et tout, le méchant. On dirait des Pokémon, vraiment, c'est vraiment... Après, c'est Nawak, hein. Après, c'est Nawak. Tu regardes et tu te dis, ouais, ça, tu regardes ça en dessin animé, tu dis, ouais, voilà. Mais là, tu regardes ça en film, tu dis, ouais, bon, en plus, c'est moi, c'est 80% CGI ou 90%. C'est assez bizarre, jusqu'à la fin, le monde souterrain, tout ça, j'ai regardé, et c'est ce genre de truc, tu vois, il me restait une demi-heure, et je me dis, je vais me coucher, tu vois, c'était avant-hier, je crois, il me restait une demi-heure, je vais me coucher, je regarderai le reste demain, tu vois, quand on est là, qu'il te reste qu'une demi-heure, et tu dis, je regarderai la fin demain, c'est que, voilà, c'est pas ouf, bon, voilà, ça se regarde, après, c'est pas le film de l'année, ça se regarde à la maison, c'est bien, en plusieurs fois, c'est pas mal, et également, alors, il y a le nouveau Mad Max qui sort apparemment la semaine prochaine.
Furiosa, et ben sachez que si vous avez un VPN, vous avez Mad Max sur Netflix. Voilà. Alors c'est uniquement anglais, sous-titres anglais. C'est pas... En fait, c'est pas si mal que ça. Au début, après, je dirais non, en anglais. Déjà, il n'y a pas énormément de dialogue, pas mal. Et c'est vrai qu'en VO, il y a le petit côté, leur vraie voix et tout. Puis bon, le truc, il a 10 ans hein, quand même. Bah, 10 ans, tain, tu regardes. C'est une claque maintenant avec la maturité et l'expérience. Je regarde et je me dis, franchement, c'est une super série. Enfin, c'est un super film. C'est pas mal, il y a de l'action, les décors, le méchant et tout. C'est là que tu prends plus conscience du travail qui a été fait derrière, des décors, de tout ça. Et puis voilà, ça permettra d'enchaîner. Donc il faut que je me refasse le Dune 1 avant de faire le 2. Alors le 2, je l'ai déjà. C'est bon, je vais faire la queue le mais il y en a pour 6 heures. Mad Max, donc je peux regarder le 1 et comme ça le 2 un peu plus tard. King Kong, là. Il y a La Planète des Singes aussi qui est disponible sur Netflix, le premier, enfin celui d'avant. Donc après, si vous voulez regarder le nouveau, là, voilà, ça permet d'enchaîner un peu. C'est des fois, c'est pas mal, parce que bon, avec un VPN, parce que bon, chez vous, la chronologie des médias fait que vous les avez beaucoup plus tard, fait que on peut regarder sur Netflix avant de regarder les nouveaux, parce que souvent, il y a un gros écart entre les deux. Et enfin, on finira par le petit giveaway de la semaine. Alors, je vous rappelle, c'est toutes les semaines, je fais une vidéo sur GLG Review. Encore une fois, vous mettez un commentaire avec le nom de la marque, participez automatiquement au giveaway, je fais un random, je réponds au gagnant, il m'envoie son mail, j'envoie son mail Amazon, Amazon lui envoie un chèque cadeau. Sauf pour iPhone, alors les chargeurs, les notebooks, tout le monde m'a écrit, ils les ont reçus, vous êtes tous contents, c'est trop bien. Et iPhone va vous offrir une brosse à dents électrique iPhone, 100 balles quand même, la brosse à dents double vibration, tout ça, vous verrez la vidéo, mais voilà. Donc il faudra certainement que je rechange, parce que j'ai oublié, j'ai dit chez cadeau dans la vidéo, forcément soit que je complète, soit que je refasse ce parti-là en disant non, en fait c'est pas un chèque cadeau, c'est une brosse à dents. Encore une fois. Donc la prochaine, c'est seulement la brosse à dents. Après, il y a les Baseus, il y a le Geekom A8, donc le nouveau, encore mieux que le A7. Un Steadicam OM, le WP35, nouvelle caméra Obsbot Light, le Doogie Pro, voilà. Il est on the way, là. Et le Ilophone, pareil, deux produits Ilophone. Donc voilà, joins, fais ce qu'il te plaît. Fume ce qu'il te plaît. Bon, Sunto, 25 mai, j'ai complètement oublié, il y a combien de commentaires? Sunto, clavier gamer, il y a 77 commentaires. Ok, donc on va mettre là, 77. Bravo, tu es notre gagnant, je vais faire comme ça. Oups là, c'est pas ça, Z. N'importe quoi, vas-y, dégage. Pourquoi j'ai mis le Nouvel Empire? Nouvel Empire. Non, vas-y, putain, j'ai... Voilà, c'est bon. Ouh, voilà. Donc contrôle C et non pas contrôle V, sinon on copie le titre. 77, on prend le random. Eh non, ça fait pas 77, ça fait 34. C'est la moitié parce que je réponds à tous les commentaires. Ici, le commentaire du gagnant, c'est donc le 15. Pile au milieu. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, car je vous rappelle, s'il a bien mis le nom de la marque, il gagne. S'il n'a pas mis le nom de la marque, je prends le commentaire suivant. Comme dirait notre Johnny National, Ako coucou, ça marche, c'est pas la blague la plus drôle du dimanche, mais ça marche, je vous rappelle. Tu es le gagnant de notre giveaway, commentaire, chaque cadeau, contacte-moi via à propos sur ma chaîne YouTube ou... Tu me fais un mail à admin@jtgeek.com. Tu me fais un mail, tu m'envoies un screenshot de ton commentaire pour me prouver que c'est bien toi et tu m'envoies ton mail qui correspond à ton compte Amazon. J'envoie ton mail Amazon, Amazon t'envoie un chèque cadeau. Ça fait plaisir ici. Hop, on reprend ça comme ça. C'est qui? Glenn? Glenn Bouya? Glenn Bouya. Voilà, ça c'est bon. On va mettre ça dans mon fichier. Et voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo du dimanche, un peu longue sur Insta, mais ça, c'était à mon avis intéressant pour beaucoup, parce que si vous voyez la vidéo passée aux États-Unis, vous comprendrez un peu le pourquoi du comment. Les films et séries télé, comme tout le monde, je pense que j'en mange un peu, j'ai que ça à faire, donc je regarde les films et séries télé, et puis je suis content de les partager un peu avec vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Bravo aux gagnants, et on se donne rendez-vous mercredi. Mercredi, on parlera de la sauce Ecoflow. Alors non, non pas celle avec Henriac, mais une autre sauce qu'Ecoflow a sur Internet. On a essayé de décrypter un peu tout ça, de voir pourquoi, du comment. Là où les acheteurs ont raison, et là où Ecoflow a mal communiqué.
Voilà, on en parlera directement dans la vidéo de mercredi. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral. Bon dimanche. Pour Tipeee, pour les news, les vidéos en retard dans tout le monde, la vidéo exclusive qui est disponible dans les news. Tu vas, tu mets un euro et là, tu vas dans les news. Oh là, il y a une vidéo. Ah ouais, WTS, c'est là comme ça. Ah, pourquoi il la met que sur Tipeee? Voilà, ça permet de me soutenir un peu et vraiment d'avoir quelque chose en plus. Allez, bonne journée à tous, bon dimanche. Bye bye.